Donc, je suis Xavier Massou, je suis élu de la commune de Gers, premier adjoint à Gers et vice-président de la communauté de communes en charge du commerce et de l'artisanat et des tiers-lieux. Donc participant au développement économique de notre territoire du nord-est des Arnes en articulation avec nos partenaires consulaires, particulièrement la Chambre des métiers pour impulser, accompagner, être au plus près des acteurs économiques pour que notre territoire soit attractif. Il y fasse bon vivre et pour cela qu'il y ait de l'emploi et donc des artisans et des activités économiques qui se développent. Oui, alors il a une particularité, c'est à la fois, nous sommes en bordure du pôle de l'agglomération paloise, mais avec une majorité de territoire qui est à dominante rurale, agricole, rurale, de l'Imbeille à Pontac, en passant par Gers, Soumoulou-Nousty. On voit bien que la dominante agricole est forte, mais avec un développement, une émergence d'activités artisanales et commerciales qui dynamisent le territoire et qu'on veut accompagner et adapter aux évolutions des attentes des consommateurs et des citoyens qui habitent sur ce territoire. Les enjeux, c'est conserver cet art de vivre, cette qualité de vie. Les gens y sont sensibles, il y a une vraie culture du bien-vivre dans nos territoires, mais on les veut tourner vers l'avenir et avec une forte volonté d'impulser les changements qui correspondent aux attentes des gens, en particulier sur la manière de consommer. Je pense aux aspects alimentaires, par exemple, où les gens veulent des choses saines, produits localement et de qualité, qui reprend des traditions gastronomiques qu'on peut avoir. Et favoriser l'émergence de nouvelles activités artisanales qui valorisent des savoir-faire plus anciens et qui tournent le territoire vers les modes de production d'avenir. Donc là, il y a un accompagnement sur la digitalisation, l'informatisation qu'il faut impulser dans ces entreprises pour arriver à créer de l'emploi et de la richesse sur ce territoire. Nous sommes des acteurs de terrain, tous ensemble, partageons la même ambition, les mêmes valeurs. Et du coup, ça aide à se comprendre et à impulser les changements nécessaires, à être au plus près de ces artisans et commerçants qui seront des fois désemparés dans des situations aussi changeantes et nouvelles que l'on vient de vivre. Et du coup, ensemble, avec chacun dans notre domaine d'expertise, avec des outils financiers que l'on mobilise ensemble, il y a une vraie complémentarité, une vraie efficacité pour optimiser et rendre plus accessibles ces évolutions avec les moyens financiers dont on se dote. La première des choses pour se développer, c'est d'abord consolider l'existant et donc assurer la transmission des activités qui existent sur le territoire est une première étape indispensable. Et donc, c'est ce qu'on fait ensemble de manière, je pense, tout à fait intéressante. On a un exemple d'une reconversion professionnelle d'une personne qui a repris une activité de toilettage et qui du coup rayonne, est heureuse et va créer de l'emploi et apporter un service. Elle est située à Morlas. Qui est le locomotive de notre territoire. Donc c'est vraiment un volet très intéressant à travers cette action que vous initiez pour qu'ensemble on fasse connaître les entreprises à reprendre et on accompagne les gens qui deviennent repreneurs et du coup découvrent la vie de dirigeant. On a besoin de les former, d'être à leur côté tous ensemble pour réussir ces reprises et faire prospérer ces entreprises. Ça me paraît important que pour affronter ce monde qui change beaucoup, on veut favoriser, inciter les gens à avoir une approche collective sur les thématiques de leur secteur d'activité, le commerce, l'artisanat, au sein de l'artisanat, selon les thématiques. Il y a besoin de travailler ensemble. Seuls les gens sont un peu désemparés. Il faut qu'ils apprennent, les commerçants créent des associations de commerçants qui réfléchissent à des actions marketing et promotionnelles. Et des artisans sur des problématiques de production, d'approvisionnement, d'échange d'expériences, sur des mises aux normes, sur par exemple le recrutement. Notre finalité, c'est quand même créer de l'emploi ici, que les gens soient heureux en ayant un emploi en proximité. Et donc sur le recrutement, c'est un sujet assez sensible actuellement. Il y a à faire parler ensemble sur partager les besoins et inciter les gens à venir vers nous. Il y a vraiment besoin
de donner confiance d'abord aux demandeurs d'emploi ou aux gens qui réfléchissent à un autre projet professionnel et à bien faire correspondre les besoins des entreprises que l'on a, qui évoluent très vite hein, dans le temps, les aspects réglementaires, les remises en cause commerciales, etc. C'est un propre de la période, je pense, d'acquérir une grande souplesse et ça, c'est bien de le gérer ensemble pour bien faire correspondre et satisfaire les entreprises qui ont besoin de recruter et des gens qui sont en recherche d'activités professionnelles pérennes, durables, dans lesquelles ils se sentent bien et ils sont heureux. Je veux porter un discours d'optimisme. Je veux qu'on positive les choses. La vie n'est pas forcément facile tout le temps pour tout le monde, mais je crois qu'il y a réellement des possibilités de faire épanouir les gens sur notre territoire avec des activités professionnelles dans lesquelles ils sont bien, ils sont heureux. Un territoire vivant qui se remet en cause et qui s'adapte aux évolutions. Je crois que c'est la clé de arriver à s'adapter et à utiliser ses savoir-faire dans les nouvelles demandes qu'il y a des consommateurs. C'est une vraie chance et du coup, notre partenariat, à mon avis, s'inscrit bien là-dedans et nous rend plus complémentaires et plus efficaces pour le territoire.